Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle page de Scrapbooking. Je vous lance le pas à pas tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc pour cette page, je vais prendre quelques pages de ce bloc. J'aime bien celui-ci. Ça et ça. Hop. Je vais prendre le pochoir baroque olive, si je me rappelle bien. Je vais faire. Voilà, ça de côté, je vais prendre les pages que j'ai prises, les deux autres pages que j'ai prises, et je vais les découper. Tac. Tac. Je vais gratter toutes ces chutes que j'ai découpées. Voici mes papiers grattés et usés. Voilà. Je vais prendre le tampon alpha fond pour faire du fond. Hein. D'où son nom alpha fond. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? On va faire des petites tâches. J'ai défoncé le truc. Ça, c'est ça, se voit un tampon quand on l'utilise beaucoup ou pas, quoi. Vu que je suis très tâche, que une page c'est deux mois. Sans tâche, c'est pas du c'est de moi. Je parle à moi-même, oui, de moi-même à la troisième personne. Souvent, on m'a dit que quand une page n'avait pas de tâche, c'était pas, ça me ressemblait pas. Je vais coller les papiers. Hop.
Est-ce que je collerai pas des petits trucs en dessous? J'ai pris un peu n'importe quoi, à vrai dire. J'ai pas cherché, j'ai pris des trucs qui pouvaient aller avec la photo. Pour vous dire, il y a même un cerf. Celui-ci, je vais le mettre en dernier. Alors, j'ai deux autres papiers aussi, normalement. C'est ça et ça. Bon, je les mets comment? Gris avant. Bon, en fait, je vais pas mettre de gris, je mets directement le noir. Noir et marron. Ma photo. Déjà, si je mets ma photo, je vais voir à peu près comment je vais pouvoir mettre le reste. Non, j'aime bien la tête de cerf. Ça change un peu. Est-ce que je peux mettre le camé ou pas? Non, je vais pas mettre ça. Je vais mettre ça comme ça et après je vais mettre quelques fleurs. J'ai découpé des feuilles faites avec le tampon feuilles de la collection de ces deuxièmes studios quoi, et je vais les distresser en cire et thé, donc c'est du orange et du marron. Alors par contre je n'ai plus de petites mousses, donc je vais les faire à la lingette, lingette sèche, ça fait pareil. Voilà. Avant de coller les feuilles, je vais juste finir. Pas finir. Je vais juste tamponner parce qu'après il y aura trop d'épaisseur pour pouvoir tamponner. Donc je vais prendre le moment. Je vais mettre quoi? Unique.
unique. Hop. Donc les feuilles que je vais coller vers là, avec, alors normalement j'ai des roses rose orange ou les roses blanches, si j'en mettais une de chaque. Je vais peut-être pas mettre ça, je vais en mettre une là. Et je vais mettre des petits strass comme j'ai l'habitude de faire. Pas l'habitude. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de, on va dire, de vintage shabby. Dans les tons orangés. Thank you.
et je vais arrêter là-dessus. Voici donc ma page. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Ma page, comme vous avez pu la voir, j'ai utilisé le tampon baroque olive qui se voit un peu sur le fond. J'aurais dû le décaler encore un petit peu plus. En fait, je me suis un peu pris avec les papiers. Voilà, j'ai utilisé aussi pour le fond le alpha fond, le tampon alpha fond et le tampon tache. Il m'en aurait pu beaucoup en stock, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, parce que le réassort ne sera pas fait ou ne sera pas fait tout court, voilà, pas fait avant je ne sais pas quand ou pas du tout, voilà. Bah ouais, moi je marche comme ça. Le tampon mot tout simple, je crois que c'est pareil, il ne doit plus m'en rester énorme, voire un ou deux. Et le tampon feuille, leaf ou feuille que j'adore. Que moi franchement voilà, ça fait déjà la deuxième page que je fais avec, je le surkiffe et vous aussi vous l'avez surkiffé parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir dit et avoir commandé ce tampon. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos commandes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, tout ça, voilà, pour tous ceux et celles qui aiment les créas, je vous remercie pour tout ça. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, à l'aide d'un pouce bleu, commentaire, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.